Eh bien, salut à tous, c'est Lerco pour une nouvelle vidéo de notre Let's Play sur Prototype 2. Et on se retrouve ensemble pour notre épisode numéro 5. La dernière fois, on avait libéré un molosse contre les forces du Black Watch. Et on l'avait fait vraiment dans la subtilité, ou pas, puisqu'on avait massacré plein de monde. En fait, juste avant de commencer cet épisode, je suis en train de regarder un petit peu les menus différents, puisqu'il y a pas mal de trucs à récupérer. Je vous montre rapidement. Donc, on a des événements. Ça, c'est les missions, on va dire, secondaires. Ouais, c'est les petits défis à faire qui permettent d'avoir des récompenses. Je me suis pas encore penché vraiment dessus. Mais, genre, dans les récompenses, on a les vidéos, on a les apparences. Et j'ai vu qu'on pouvait récupérer l'apparence de Alex Mercer, le héros du premier prototype, ce qui est carrément bien. Et surtout on a donc éléments bonus. J'ai tout activé parce que je trouve que c'est relativement fun. Butter, donc après avoir récupéré l'aptitude biobombe que je n'ai pas, saisie et infecter un humain, donc visiblement on pourra infecter les humains. Vous pouvez appuyer sur X pour le projeter au loin, un simple coup de pied, machin, etc. Genre de truc qui me plaît, notamment typiquement celui-là. Lorsqu'on n'est pas équipé de pouvoir, si on assimile un mec, on le déchire en deux. C'est voilà. C'est des petits bonus comme ça à la con qui sont sympas. Et il y a aussi donc les défis qui sont carrément plus cossus, on va dire. Tueur expéditif, tiens donc. Temps minimum pour éliminer un groupe d'intervention. D'accord. Bon à savoir. Mais voilà, voilà, il y a plein de petits challenges et tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être principalement du secondaire. Parce que bon, il y a le BlackNet. Je vais vous montrer rapidement. BlackNet, donc on était sur le truc mutation, récompense, prédateur. On a 75%, il faut que je le finisse pour pouvoir atteindre les 100% et récupérer le tout. Sauf que je me suis aperçu que les boîtes noires étaient affichées sur la map. Et sur cette zone, j'en ai 3 sur 5. Ce qui est pas mal. Donc, non, j'en ai 2 sur 5, excusez-moi, j'en ai 2 sur 5, j'ai dit des conneries. Donc, non, j'en ai 3 sur 5, je sais plus. On s'en fout, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je vais essayer de les récupérer. Je vais essayer de tourner dans la zone pour essayer de les récupérer. Ça peut être pas mal. Par contre, faut juste que je vois... boîte noire à proximité. Voilà. Nickel, ça. À 100 mètres. Vu le son. Ouais, juste là. Voilà. Parfait. J'en avais 3 sur 5, il m'en reste plus qu'une. C'est ça. Donc les boîtes noires... 255 jours plus tôt. Restez derrière les barricades. Si vous les franchissez, nous devrons vous tuer. Ça me fait penser vraiment à... ils se ramènent. À The Division. Alors, The Division, moi je l'ai terminé entièrement. Je veux dire, j'ai récupéré tous les intels, etc. Donc tout ce qui est enregistrement téléphonique et tout ça. Et justement, les enregistrements téléphoniques, c'est... il y en a certains, ils foutent le moral en berne, quoi. Littéralement, ils foutent bien le moral en berne. Ok, donc, non, éléments à récupérer. Je suis toujours dans la même zone, là. Oui, c'est bon, je suis toujours dans la même zone. Donc, c'est important de savoir que donc les boîtes noires qu'on n'a pas récupérées ne s'affichent pas sur la carte. Et que c'est vraiment, ouais, je peux pas dire du hasard de tomber dessus, mais presque... plein de missions secondaires là dans le coin. Désolé, pardon. Notamment là, c'est une mission secondaire ça. Mais d'accord. Ça c'est une mission secondaire. C'est un event, c'est ça. Dommages collatéraux. Dégommages collatéraux, bien sûr. C'est quoi qu'il faut faire? Réticule. Ouais, ok. Alors... planer attaquer stratégiquement pour éliminer les troupes du Black Watch sur le grand boulevard de la zone jaune. Ok, donc c'est un nombre de victimes à faire. Ok, bah c'est parti. Ok, donc ils sont spotés, 9 cibles à dégommer. 3 piqués. Ah ok, j'ai 3 essais. J'ai rien. Pour une éruption... les... ou sur tac pour un... ok. On va partir sur le nombre de chocs. Une victime. D'accord, je pensais que c'était plus violent que ça, mais en fait non. C'est pas assez...
Ah voilà, là on est d'accord. Encore 3 cibles, ok. Je pense que là je fais un score de merde. Ouais non, clairement je me suis chié. Il aurait fallu que je fasse ça plus tôt. Ouais, et donc j'ai nouveau record personnel. Je suis même pas dans le classement, c'est génial. Donc je pense que c'est une sorte de bowling en fait. On va se la refaire. Parce qu'il y a des récompenses à la clé et faut pas déconner, les récompenses c'est bien. Ok. On va prendre de l'attaque. Enfin de la... J'ai sauté beaucoup trop tôt. J'ai piqué beaucoup trop tôt. Je suis blasé. C'est une sorte de bowling je pense. Oh il en reste un. Oh je suis vert. Oh je suis vert. Voilà, bon, je fais un score de merde. Mais mieux. Manche 2 débloquée. Ah, c'est ça, d'accord, il faut atteindre la première manche. Ouh, il y en a beaucoup plus là. 18 cibles. Pas mal. 3 piquets. Ça va être short là quand même. Hein. Ah non, je pensais que j'étais bon pour celles qui sont derrière. Ah putain, j'ai pas le droit à l'erreur. Je vais essayer de faire celle du fond. Putain, il m'en reste 2, je peux rien faire là. Non, il m'en reste 3 et elles sont... C'est un split, c'est ce qu'on appelle un split. Je suis à 24 victimes, la bronze est à... Non mais là, je vais pas réussir à la faire, donc tant qu'à faire. Hein. Hop. Voilà. 2 victimes. C'est le moins que je puisse faire et le problème c'est que là je l'ai foiré. Je suis un peu blasé. On va se la refaire. Ça c'est chiant. Mais voilà. Je vais en profiter pour parler un petit peu de la vidéo, enfin des vidéos d'Alpha, mais là au moment où j'enregistre en fait on est avant samedi, résultat j'ai pas encore vu la deuxième vidéo de Alpha. Mais le montage, enfin les montages qu'il fait sont excellents. Et. Ah putain, il me reste 2 victimes. C'est chier. Et franchement, je pensais pas que. Enfin, ça a été vachement bien accueilli. Et. Qui plus est, ça a apporté quand même pas mal de viewers sur la chaîne. Nickel, on passe à la deuxième manche. Ça a apporté pas mal de viewers sur la chaîne et je. Oh, 10 victimes. Ah d'accord, quand il nous reste des piquets, ça nous fait des bonus. C'est bon ça. Ça a apporté quand même pas mal de viewers sur la chaîne. Et je suis mais. Je pensais vraiment pas que ça allait être. Ça allait voir ça trop tôt. J'ai sauté beaucoup trop tôt. Quoique bon, ça passe. Encore 13 cibles. Ouais, je pourrais pas tout faire d'un coup là. C'est plutôt pas mal parti, il reste plus que 4 cibles. Mais ouais, donc là on a, mine de rien, en quelques jours là, on a gagné presque une centaine d'abonnés, c'est totalement dingue. Et je pense que la vidéo de samedi, enfin pour vous c'est déjà passé, mais la vidéo de samedi aura un effet semblable. Et moi ça me motive encore plus. Surtout que j'ai plusieurs vidéos Star Citizen qui vont venir, qui sont en préparation. Enfin, en préparation. Que j'ai en tête et qu'il faut simplement que je fasse. On va commencer par le fond. J'ai relativement mal joué là. Il reste encore 14 cibles. 14 cibles en deux coups, ça va vraiment être short de le faire. Oula, je me suis chié. Plus 7 victimes. Ouais, là je vais pas pouvoir faire beaucoup plus. Ah putain, je pourrais rien faire là.
Il va obligatoirement manquer au moins une victime. Il va même en manquer deux pour l'heure. C'est dommage. L'argent, c'est pas mal. Putain ouais, en effet. Nous recap perso, ok, nickel. Ok, donc ça me fait des points d'évolution en plus, c'est bon ça. Ça c'est de l'XP, typiquement c'est de l'XP. Bah écoutez, c'est bon, on va voir les autres événements, on va voir ça de suite. Un parcours panoramique et dans la zone jaune, voulez-vous y jouer? Oui, pourquoi pas. On va voir, hein. Ah mais non, ça je l'ai déjà fait celui-là. On s'en fout de celui-là. Je maîtrise pas encore le jeu, hein, clairement. Ça se voit. Événement, c'était... C'était rien l'explosion que je voulais voir, moi. Donc deux cercles de troupes de New Blackwatch dans la zone rouge. Ouais, c'est à peu près la même chose que ce que je viens de faire, non? Si je dis pas de conneries. Et donc ouais, moi ça me motive vraiment à faire la suite. Au niveau... enfin de continuer à faire du contenu aussi régulier et en essayant de faire... De la qualité, toujours, mais bon. Ouais, ok, d'accord. Et il faut que je fasse quoi en fait? Faut que je fasse un nombre de victimes, j'ai compris, mais comment ça se passe? C'est la même chose que ce que je viens de faire. Ouais, c'est la même chose que ce que je viens de faire. Ok. Donc par contre, là, faut vraiment que je vise le centre pour avoir le max de... Putain, faut que je fasse 32 victimes, 64 victimes pour le... Plutôt pas mal. 26 victimes en un coup, c'est plutôt pas mal. Et donc ouais, j'ai plein de vidéos Star Citizen que je dois faire, que je dois tourner, que je dois... Enfin, écrire pour certaines d'ailleurs. J'ai déjà le thème, mais il faut que je les écrive et ça prend du temps, mine de rien. Ah non, ça c'est bon ça. Plus 6 victimes, mon jeu est bloqué. Et j'ai plus 10 victimes, voilà, puisque j'avais un piqué qui restait. C'est bon ça. J'en suis à combien là? Ah, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, 32 cibles. Ça devrait le faire. Ça va le faire les amis, ça va le faire. Je suis à 42 victimes, faut que j'arrive au moins à 70 victimes pour avoir l'argent. Ce qui n'est pas gagné non plus. Ah. J'en ai loupé deux sur ce cercle, je suis blasé. Voilà, j'ai récupéré les deux qui me manquaient. Par contre, faut que je risque. Oh non! Il m'en manque un en bas! Oh la misère! Bon, au moins j'aurai l'argent. Ça fait quelques points d'XP en plus, c'est déjà ça. Enfin, je dis j'ai l'argent, mais faut que je réussisse à faire au moins une victime. Ça va, j'en ai fait deux. Et je suis vraiment passé pas loin, quoi. Hein. J'ai presque failli me planter sur ce coup. Ah putain, ouais! Ok, donc ça c'est bon, argent, nickel. Continuer. Et voir les autres événements. On va continuer un petit peu là-dessus. Ça peut être pas mal. Virtuose de la grenade, typiquement, ça c'est un truc qui m'intrigue. 30 victimes avec lance-grenade en 30 secondes. Ok, donc... Ah mais ça c'est un truc, suivez les instructions à l'écran, terminez les villes virtuoses. Bon, je vais le défier à tout moment pendant le jeu. Éclatez-vous. Ok, donc c'est à dire qu'il faut que je prenne la lance-grenade et que je dégomme 30 mecs en 30 secondes. C'est pas un défi qui est fixé, quoi. Quand je dis fixé, c'est fixé dans le... Progression histoire, débloquer ce nouvel événement. D'accord, donc faut que je progresse dans l'histoire pour pouvoir débloquer le truc. Bon. Ok. Alors, on va y voir. Où est-ce qu'on est déjà? Au niveau de la map. Primo, on est où? Éléments à récupérer. Je suis pas dans la bonne zone parce qu'il me faut encore une boîte noire ici. Et à la base c'est ça que je voulais. C'est je voulais récupérer une boîte noire ici. Et je crois que c'est indiqué par ce truc là, non? C'est indiqué dans cette zone, j'ai l'impression. Donc on va mettre un point de passage. Écoutez. Qui est là-bas. Nickel.
Et ouais, donc ce que je disais tout à l'heure, en fait, en début d'épisode par rapport à The Division, c'est que... ah bah voilà, c'est parfait. C'est plus proche que ce que je pensais, c'est juste au-dessus de moi, en fait. C'est nickel. Ah, mais c'est pas le bon. Ah oui, c'est vrai, je suis pas dans la bonne zone. Suis-je bête. Enregistrement, 265 jours plus tôt. Où est-il? Où est-il? Il nous a suivi, où est-il? Vous avez fermé, oui. Vous avez mené jusqu'à nous. Vous avez vu ce qu'il a fait au docteur Burnet? Oups. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Excusez-moi, je parlais pas parce que j'écoutais en même temps ce que disait le... la madame. Voilà, ça c'est cool ça. Ça c'est cool ça. Toi là, 30 secondes, bouge pas. Voilà, ça c'est bon ça. Ah oui, bon, par contre ça va pas le faire si je me fais tirer dessus. Non. What? Ok, d'accord, c'est un morceau d'immeuble qui a été arraché, mais qui est toujours là. On se casse. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas anormal, je vous rassure. Bon, je suis toujours observé, donc résultat, je vais pas m'amuser. Voilà, nickel. Donc, je vais finir ce que je disais sur The Division, bordel de merde. Excusez-moi. Comme quoi, en fait, les enregistrements audio, donc les enregistrements téléphoniques, tout ça, c'est... quand on les écoute, ça fout le moral dans les chaussettes. Parce que c'est les témoignages, en fait. C'est con à dire, mais dans une... faut imaginer une épidémie, une véritable épidémie, hein, c'est... Oh. Toi, là-bas... tu vas me donner un pouvoir spécial. Faut imaginer donc une épidémie, pas un petit peu à la prototype, mais vraiment une épidémie à la... Où il y a des morts, quoi. Le principe de la variole modifiée. Ok. D'accord, donc ça, c'est un molosse. Couché. Alors, 30 secondes parce que juste au-dessus, il y a, voilà, boîte noire. La boîte noire, la boîte noire est complétée. Nickel. En fait, le truc, c'est que The Division, ce qui est bon, c'est qu'ils ont réussi à rendre tout ce qui est background vachement crédible. Alors, la mort vient de haut. Plus de, ça, c'est bien, ça. Expert dans la mêlée, ça, j'avais déjà, ça. Ça, on s'en fout, le lancer. Force de frappe, ça, c'est un nouveau pouvoir. Dégâts attaque de mêlée. Ça, c'est bon, ça. Darwinisme, dégâts infligés à tous les militaires, plus 10%. Ouais. Antigène vengeur, force de frappe aux infectés, plus 10%. Ouais. Force de frappe, plus 10%. Très bien. C'est un truc général, c'est très très bon. Transmission radio, 255 jours plus tôt. Attention, on a de nouveaux ordres. Contenir l'infection est désormais plus important que de protéger les civils. Ça veut dire quoi, au juste, sergent? Ça veut dire que s'il y a des civils entre vous et les infectés, vous tirez dans le tas. Oh, c'est charmant, ça. J'arrive pas à le loquer. Voilà, c'est bon, je réussis à le loquer. Ok, normalement là, c'est bon, j'ai pu l'assimiler. Donc j'ai un nouveau pouvoir encore, enfin une nouvelle mutation encore, pouvoir améliorer les griffes, niveau 2, comme c'était pas assez puissant là. Oh, putain, mais Wolverine fallait se rhabiller, bordel de merde, excusez-moi. Tais-toi là, 30 secondes. Bonjour messieurs, oh la vache, excusez-moi, je les contrôle pas encore. C'était pas volontaire. Il y a eu du dommage collatéral là. Alors je dégomme pas encore les hélicos, le groupe d'intervention, tout ça.
Parce que pour ceux qui ont suivi le let's play sur le premier jeu, ou qui ont fait le premier jeu, il faut des éléments à balancer en fait sur l'hélico, ou carrément un fouet pour pouvoir dégommer le truc. Mais bon. Bon, autrement, enfin, les gars, vous êtes un petit peu cons ou comment ça se passe? Il y a un mec qui court plus vite que vos véhicules et vous vous posez pas de questions. Enfin, c'est pas grave, on s'en fout. Mine de rien, avec tout ça, avec les missions secondaires et tout le tralala, on est déjà à 20 minutes de vidéo. On n'a pas fait grand chose de constructif, mais on a fait et de la mission secondaire. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je veux faire de la mission secondaire, c'est parce que bon, des fois, de temps en temps, de mon côté, je vais faire la mission secondaire, pas forcément en vidéo, mais je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait réellement. On va se concentrer principalement sur le scénario, parce que c'est, je pense, le must. Et derrière, les missions secondaires, des fois on les fera ensemble, des fois je les ferai de mon côté. Mais simplement, histoire d'eux, parce que ben, y a quand même pas mal de pouvoirs à améliorer. Pour l'instant, on a que les griffes. Mais par la suite, il y aura beaucoup d'améliorations à faire. Et vous avez vu quand même la map. Pour l'instant, elle est pas spéciale. On dirait pas qu'elle est... Enfin, elle est pas spécialement grande, je trouve, la map. C'est con à dire, mais je trouve qu'elle est pas spécialement grande. Comparé à Manhattan complet du premier opus, j'ai rien dit parce que là ça continue au nord. Comparé à Manhattan complet du premier jeu, j'ai l'impression que cette map là est plutôt limitée. Donc résultat, je sais pas, c'est... Voilà, je m'amuserai à faire l'exploration, sachant que la prochaine fois on va se baser sur la mission. Ou quoique, c'était quoi? C'était Black Knight qu'il fallait que je regarde. C'est ça, Tulip Noir, il fallait que je le finisse. Sélectionner, celui-là. Merde, ça craint. Il faut arrêter ça. Attention, Gamoral. Si un de vos supérieurs... On avait déjà vu celui-là. Ça risque de freiner votre carrière. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je me suis enrôlé pour tuer des gens, par ces foutus mutants. C'est tout à votre honneur, je crois. Ouais, donc ça confirme ce que je disais à l'épisode précédent, à savoir que c'est des putains de tarés, les mecs, quoi. C'est des putains de tarés. Non, Black Knight, c'était quoi déjà? C'était voir emplacement, non? Voir emplacement. C'est ça. Oui, donc c'est ça. Ça va être la prochaine. À l'épisode précédent, prochain, on va faire donc celui-là, qui est Opération Tulipe Noire. On va le valider, histoire d'être à 100% sur celui-là, pour pouvoir débloquer la mutation prédateur. Et ensuite, on enchaînera sur le contact de mission, à savoir le colonel Douglas Rooks, excusez-moi, qui va faire avancer le scénario. Mais là, voilà. Je pense que j'ai rien dit de très productif sur cet épisode-ci. C'est pas grave, j'étais un petit peu concentré en même temps, excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la tête. Mais voilà, étant donné que là... En fait, je vous explique, là, on est jeudi soir, enfin, vendredi matin, il est... genre 2h du matin bientôt. Le truc c'est que ce week-end j'ai un programme qui est assez chargé, donc c'est le seul moment où je peux vraiment tourner et même après faire le montage, l'enregistrement, enfin le montage et l'upload de la vidéo pour que ça puisse sortir lundi en temps et en heure. Donc bon, voilà, je me suis dit aujourd'hui ou jamais, donc c'est aujourd'hui et voilà. J'espère quand même que ça vous a plu. De toute façon, là, je vais prendre un petit peu de temps pour pouvoir tourner l'épisode numéro 6. Mais ce jeu, je vous annonce, ça va réserver pas mal d'épisodes. Puisque entre tout ce qui est mission secondaire, mission principale, scénario, il y a de quoi faire. Ça, je peux vous l'assurer. Si c'est comme dans le premier, il y a de quoi faire. Et d'après Tarquin, il me semble qu'il avait fait. Et je crois qu'il m'avait dit ouais que le scénario était aussi tentaculaire que le premier. Et déjà que le scénario du premier n'était pas forcément facile à suivre parce qu'il était assez diffus, on va dire ce qui est. Le deuxième, ça va être assez rock'n'roll aussi. Enfin, ce jeu-là, ça va être assez rock'n'roll aussi. Donc, va falloir nous accrocher, hein, les petits loups. On va se mettre en haut de l'immeuble, là. Parce que vous connaissez, quoi. Enfin, vous savez que j'aime bien aller en haut des immeubles. Genre, cet immeuble là-bas, là. Il y a marqué quoi? Daily News. Donc... On va aller voir Lois Lane. Oh wait, c'est pas le bon univers. Allez, on y va. J'ai hâte de pouvoir charger mes sauts, quoi. Ça c'est bon ça aussi.
Nickel. Super panoramique de la vue, de la ville en plus. C'est parfait. On va s'arrêter là pour cet épisode numéro 5. Moi, je vous retrouve jeudi pour l'épisode numéro 6, ou peut-être avant pour une vidéo spéciale, je sais pas encore. Les vidéos spéciales, il n'y a pas de planning particulier, hein, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le like, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, comme je dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.